Je reprends, j'ai déjà une petite coupure. J'espère que la présentation avant sera bonne. Donc voilà ce que je porte, c'est le châle Odile en hommage à ma maman. En fait, tous les designs que j'ai créés qui sont à disposition gratuitement sur Ravelry portent le nom de femme ou d'homme de ma famille. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer par ce châle. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs, mais franchement, je le porte pratiquement tout le temps de l'année. Bon, bien sûr, pas l'été. Alors, je pense que c'est aussi la couleur, parce qu'il est vraiment tellement passe-partout. Hein, parce que là, avec des rayures kaki et jaune, bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme châle? Il est vraiment passe-partout. Et puis, sa légèreté, sa fluidité, mais sa chaleur font que je peux le mettre aussi en plein hiver. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un fil mérinos soie, et donc l'équivalent de 2 pelotes de 50 grammes ou un écheveau. Donc on est en fingering, hein, il se tricote en 3,5 si je me souviens bien. Et puis là, c'est un cul de silk de Trops, le mohair, et j'ai utilisé qu'une pelote. Hein, donc ce châle a été testé, hein, par plusieurs personnes. Si vous vous retrouvez sur Ravelry, vous verrez donc des modèles bicouleurs. Voilà, moi j'ai voulu rester dans le neutre. Donc bon, pour l'instant ça va. Ça va. Le pull que je porte est un pull gratuit d'Isabelle Kramer, on the beach. Beach, jamais comment prononcer celui-là. Et voilà, c'est un pull. Alors, il est là, on se termine par un nightcord. Il est décolleté, hein. Décolleté, pas décolleté plongeant, mais décolleté pour tenir chaud. Voilà. Donc, je le mets là début novembre. Des fois, je le mets mois de mars, avril, mais c'est vrai que après, en plein hiver, je le mets pas. Après, je pourrais mettre un col roulé dessous, mais j'aime moyen. La finition, j'ai fini par le retourner comme ça. Autrement, c'est un rouloté, comme ça. Mais des fois, ça m'embête. Voilà, j'aime bien avoir aussi, pour travailler ou faire la vaisselle, je retourne le pull, tout simplement. Voilà pour ce que je porte. Alors, venons-en à la dernière fois où je vous avais quitté, où j'avais dit que je ne savais pas ce que j'allais apporter en vacances, quel tricot j'allais apporter en vacances. Et bien finalement, je n'ai pas emporté de tricot, mais j'ai emporté un crochet. Crochet, c'est encore plus nomade que le tricot, hein, parce qu'on pose le crochet d'un côté, la pelote, etc. Et puis ça faisait un moment que je louchais sur le châle d'Emily Crochetamaille, le châle dualité. Et puis Mélanie, qui est à une chaîne YouTube au nom de Woolly Mélie, a organisé un cal qui se passe sur Instagram avec Emily Crochetamaille pour crocheter ce châle dualité. Donc ça me faisait quand même de l'œil, etc. Je voyais bien qu'il y avait beaucoup de brides, j'aime beaucoup les brides. Il y avait le site aussi, je sais pas trop faire, j'avais fait une fois, je me souvenais plus. Donc j'hésitais. Et puis la veille de partir, finalement, je commence à monter mon châle avec... où est-ce qu'elle est cette laine? Avec une laine bleue et un contraste en noir. Et puis finalement, la laine bleue, elle s'est avérée très 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 trop fine. Donc ça n'allait pas, les deux n'allaient pas, ça ne matchait pas, ça ne se passait pas bien. Donc juste avant de partir, je prends les chevaux que je trouve dans la... Enfin, juste avant de partir, je prends les chevaux, je le bobine et on part. On est parti dans la journée et on part et on verra bien. Voilà. J'ai pris un écheveau des laines Delphine et je vous cherche l'étiquette. En fait, j'étais allée chez Florence, chez elle, et j'avais acheté de quoi me faire un pull très contrastant. Moi, je suis plutôt couleur... pas fade, mais... couleur, vous voyez ce que je veux dire, douce. Et j'avais flashé sur ça. Voilà, laine Delphine. Je vous lis la petite étiquette. Les laines du Dauphiné, pure laine vierge de brebis, née, élevée en système pastoral, étendue en Dauphiné. Voilà. Donc là, c'est le 500 mètres et la couleur, c'est Stabilo vert. Donc j'en avais pris deux, les chevaux. Et j'avais pris un troisième écheveau contrastant parce que j'étais partie pour faire un pull en rayures. Je pars en vacances, je prends l'autre écheveau contrastant et je me dis, ah bah maintenant j'ai plus de contrastant, qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est pas grave, je me ferai un pull de Noël en vert.
J'étais persuadée qu'il me restait 3 échevaux. Parce que moi, avec 1000 mètres, je ne me fais pas un pull. Ou alors, vraiment, crop, 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 crop. Si je me... Non. Bon, on en reparlera. Donc, j'ai pris... Comment elle l'appelle? J'avais l'étiquette, c'est... Je sais pas, celui-là ou un truc comme ça. Elle l'a appelé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire un triangle en C2C. Donc, on... Allez, là, 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 là. On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Ensuite, on vient s'accrocher à... Je sais plus si c'est en bas, je pense que c'est en bas. On vient s'accrocher en bas, tac, tac, tac. Et puis, par un jeu de diminution et d'augmentation, on fait le deuxième triangle et on fait la même chose de l'autre côté. Alors j'avoue que c'est joli, ça fait son petit effet. Alors ce qui m'a plu aussi dans ce châle, c'est que c'est un châle aux dimensions plutôt écharpe, qu'on appelle ça wrap. Enfin wrap. Non, wrap, ça se mange. Comment on dit? Étole. Hein, on va dire étole parce que le mot en anglais, je crois que c'est wrap. Je crois. Donc là, pourquoi pas aussi sur les épaules. Voilà. Ou alors, tout simplement, on prend le milieu et je tac, je tac. Alors, c'est un petit peu dommage pour le travail du triangle, etc. Mais finalement, on voit les deux couleurs. Pourquoi pas? Au début, je me dis, je ne porterai jamais ça. C'est trop flash. Mais avec une doudoune noire, j'ai une doudoune noire. Je pense que ça fera le job. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, j'ai déjà oublié mon cahier. Ça, c'est de la... Je vais vous le noter, hein. Tant pis pour moi, au montage j'aurai un peu plus de travail. C'est de la laine, un écheveau que j'avais acheté aux États-Unis, je crois que c'est la Cascade Yarn. Je vais vous noter tout simplement, hein. C'est pas la peine que je cherche. Voilà. Donc c'était 400 mètres pour 100 grammes. Et là, évidemment, il m'en reste un petit peu. Il me reste, j'ai utilisé 92 grammes. 80... Il me reste 12 grammes. Il me reste 12 grammes de l'écheveau, donc de Florence. Alors, autant j'ai bien fait de l'utiliser dans un châle comme ça. Je ne me verrais pas avec un pull comme ça, hyper flash. Par contre, j'ai adoré la crocheter. Donc, celle-ci va être destinée aussi à un pull au crochet. J'ai adoré la crocheter, cette laine. Là, elle est lavée. Alors, évidemment, elle est un peu plus laid, un peu plus sèche qu'une laine. Ici Superwash, mais elle est tout aussi douce déjà. Il y a, pour moi, enfin, c'est vraiment, elle est très très agréable. Même la peau, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour ça d'ailleurs que je vais me faire un pull. Donc, j'ai mis la semaine à le faire. Voilà, c'est la semaine de vacances. C'est la semaine de vacances. Le châle dualité. Alors, si vous êtes intéressé, parce que j'ai mis la semaine à le faire parce que je suis mono-projet, mono en cours, évidemment. C'est un peu plus long si vous avez 5-6 autres projets autour de vous à tricoter ou à crocheter ou que sais-je. Donc j'ai mis une semaine pour le crocheter. Le cal est toujours en cours et dure jusqu'au 30 novembre. Donc si vous voulez crocheter ce joli châle dualité original, après vous pouvez faire des couleurs beaucoup plus douces. D'ailleurs, pas mal de crocheteuses l'ont fait, c'est vraiment des beautés. Non, je vais le garder. C'est vraiment des beautés. Donc, voilà pour quelle dualité. Si, donc, si vous voulez le crocheter, contactez Mélanie Woolly Melly sur Instagram en message personnel, privé, et elle vous intégrera au groupe de filles, parce que je ne veux pas croire avoir vu de monsieur qui nous est rejoint. Donc voilà pour la partie crochet. Mais avant, quand j'étais avec ma maman, on est allé à Nouze et j'ai trouvé une grosse pelote de chunky orange. C'était avant la Toussaint. Donc j'ai crocheté. Ah, ça flash, hein. J'ai crocheté une. J'ai même pas. Normalement, comme celle-ci, on passe un fil. Moi, j'en ai fait une plus petite. On passe un fil là pour faire. Celle-là, j'avais pas envie. Je la trouvais tellement jolie. J'ai crocheté celle-ci. Et celle-ci, je l'ai tricotée. Et même tricotée, après, on fait passer un fil.
Donc voilà, je vais vous mettre une petite photo. Hop, je me pose, je vais mettre une petite photo. Ces petites citrouilles sont à l'entrée avec des fleurs séchées de cet été. Voilà, ça égaye l'entrée, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est quand même aussi bien flash, hein. Il me reste, je sais pas, peut-être 15 grammes de. Non, il me reste peut-être 20 grammes, c'était une pelle de 100 grammes. On verra l'année prochaine, il y aura peut-être des copines qui reviendront rejoindre celle-là. Voilà, en tout cas, c'était bien, bien plaisant à faire. Et puis, pour compléter le trio que ma fille m'avait demandé pour sa classe, pour la petite Noiraude et Ghibli, un petit fantôme, j'ai recrocheté, là, lundi, rapidement, sur le temps du midi, une petite citrouille. Voilà, elle a son trio. Alors, elle vient ce soir, là, je vais pouvoir lui donner. Mission accomplie. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené de mon voyage? Je suis allée en Crète. J'ai ramené. En fait, il y avait dans une ville. C'est tombé le jour férié, donc j'ai pas pu aller à un super magasin de laine. Je suis tombée quand même. J'ai pris une laine commerciale. Super wash, mono yarn. Une laine. J'ai pris du noir. Alors, pourquoi j'ai pris du noir? Voilà la marque. Donc c'est fait quand même en Grèce, hein, c'est pour ça que j'ai prise. Alors en fait c'est de la, c'est plus de la sport déca. J'avais tellement peur de manquer de noir au départ, je savais pas où j'allais. J'étais tranquille avec mon 500 mètres, mais là je savais pas. Donc j'ai pris ça, mais c'était pas la bonne épaisseur. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis pas non plus trop chargée, hein, parce que au départ on n'avait pas de valise en soute. Puis on a fini par en prendre une au retour. C'était une autre histoire. Donc voilà pour le seul achat pendant les vacances, les nœuds. Mais avant, je vous avais parlé que j'allais à ici, à Caen, Fesneau. Donc Fesneau, c'est le festival de l'excellence normande. Et j'avais repéré, bien sûr, qu'il y avait laine sous les pommiers. Que je visais depuis longtemps, mais j'étais surprise en fait ce jour-là, c'est qu'en fait ils avaient regroupé plusieurs fabricants de laine, tous sur un même stand. Donc, ouh, je savais plus où donner la tête, j'aurais presque préféré qu'elle soit que elle, puis aller ailleurs, parce que c'était vraiment elle que je voulais prendre la laine, et puis je me suis laissée emporter, je me suis laissée emporter, et j'en ai pris ailleurs. Alors, c'est pas que je regrette, hein. Alors, je vous les montre. Je vous les montre, je vous les montre. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Voilà ce que j'ai pris. Voilà. C'est un deux brins. C'est du pêche grisé. C'est un mélange de laine. À Branchin, donc sud de Manche, si je me trompe pas. Et puis j'ai pris aussi une dame de l'Orne, donc pays, enfin pays de comment dire, département voisin, Atelier La Filière. Alors là, ça m'a moins plu. Je n'ai pas dit que la laine ne va pas me plaire, mais c'était un mélange de laine. Là, je trouve que la traçabilité chez laine sous. Laine sous les pommiers, c'est ça, je pense. La traçabilité, elle est. Voilà, on sait, elle nous dit d'où ça vient et tout. Là, c'est un mélange de laine. Donc, voilà, j'ai pris ces deux écheveaux, un mélange grisé et celui-ci, c'est clairement pour la teinture. Donc, voilà, comme si j'avais besoin de laine. Hein. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Là, totalement, je ne sais pas. C'était pour essayer de la laine du coin. Ça viendra. Hein. Je vais mettre dans son joli sac. Pour l'instant, j'arrive pas à m'en défaire. C'est dans le sac. Et puis au niveau tricot, comment dire? Donc j'avais fait mes petites citrouilles, etc. J'ai fini avec ma maman. D'ailleurs, tiens, je vais vous incruster une photo et vous montrer ce que ma maman m'a fait. Je l'ai pas emmené parce que voilà, c'est en bas. Voilà, c'était un cale-porte. Alors, j'avais mon cale-porte déjà, tout moche. Un tissu lambda sans intérêt et eh ben elle m'a fait un
couvre et qu'elle porte. C'était tout mignon, un chien, ça me fait trop rigoler. Et surtout, j'étais contente d'apprendre à ma maman à 84 ans de tricoter en rond. Voilà. Donc ça, c'est quand même super. Vous trouvez pas? Donc voilà. Et puis après, quand elle a fini son cale-porte, elle a commencé à faire une couverture queue de sirène. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en rond. Hein. Et puis voilà. Donc je trouve ça vraiment super génial. Alors, je vous avais montré lors de ma dernière vidéo que mon mari me réclamait un pull. Alors, la laine, elle est là. Hop. Avec, j'avais acheté en Finlande, en février. J'avais dit la laine dernière, mais non, c'est cette année. Hein. En février, la Novita. Voilà. Qui sent bon le mouton. Hein. Mais c'est un peu grave, j'aime bien. Ça portera au lavage, et puis voilà. Donc, alors c'est marrant parce que ces laines comme ça, finlandaises, elles disent que c'est de la harane. Et puis après, quand vous regardez les échantillons, vous avez soit en 3,5 pour faire des chaussettes, soit vous pouvez la tricoter en 4, soit vous pouvez la tricoter en 5. Et puis, ils vous donnent les différents échantillons. Donc, c'est une laine très, très flexible. Elle est douce, elle pique un peu. Voilà, c'est de la laine. Et il y a quand même 80% de laine et 20% polyamide. Voilà. C'est la laine commerciale. Au moins, je me dis que si un jour ça passe à la machine par erreur, peut-être que le pull ressortira en vie. Alors, je lui ai montré plusieurs modèles. Et il a craqué pour le Ingrid Sweater de Petite Knit. Alors, Petite Knit, pendant des années, j'ai vu des podcasteuses tricoter Petite Knit. Je ne comprenais pas l'engouement jusqu'à ce pull. Parce que là, en février, j'ai tricoté un débardeur, je ne sais plus lequel, de Petite Knit. C'est bien écrit, mais bon, ça ne casse pas trois pattes un canard, comme on dit, parce que c'est un débardeur, quoi. Donc un débardeur, après j'en ai retricoté un gratuit là, la dernière fois. Voilà, il n'y a rien de sensationnel. Bon. Je vous montre le modèle, je cherche, là j'ai mes pages, voilà. On le voilà. Mais là, c'est écrit rang par rang, parce qu'il y a quand même des motifs à respecter, il faut quand même, il faut quand même pas se tromper, il faut que ça tombe bien, on ne peut pas bidouiller. Hein. Eh ben, j'ai quand même réussi à faire une erreur. Je vais vous la montrer. Mais tant pis, ce sera le Ingrid Sweater de monsieur. Voilà. Voilà, j'ai déjà bien avancé. Alors, elle est où mon erreur? Elle est où? Eh ben, je vais vous montrer la grille pour que vous compreniez. De toute façon, je vous la montre. Hein, c'est un modèle payant. Et même si vous faites capture à écran, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça aussi, ça m'agace un peu. Où est-ce que c'était cette grille? Je vais vous la montrer. Parce qu'il y en a plusieurs, de toute façon, des grilles. Donc, c'est laquelle? Tac, tac, tac. Ah, c'est bien préparé, hein. Tac. Voilà, c'est là. C'est quand on attaque les côtes. Là. Quand on attaque les côtes. Alors, moi, on commence par là. Il y en a 3, après 2, 2, 2, 2, 2. Et ben moi j'ai fait 3, 2, 3, 2, 3, 2. Voilà. Donc du coup, sur un certain nombre de mailles, ça marchait bien. Parce qu'au départ, on fait le dos comme ça. Après, on refait là. On rejoint dans les côtes. Et quand j'ai rejoint dans les côtes, et ben sur le côté, tout simplement. Là, ici. Montrer. Il y a un moment où ça ne matche plus, parce que 3-2-3-2, c'est des multiples de 5, et là, ben, quand on rejoint par 2, c'est plutôt des multiples de 2 ou de 6. Non, de 6, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, là, je me retrouve avec 6... Je ne peux plus faire 3-2, en fait, parce que normalement, ça devait être 2-2, je ne sais pas si je suis claire. Ça devait être des côtes 2-2, tout bête, et moi, j'ai fait 3-2. Sauf que là, du coup, j'ai 6 mailles sous les bras. Je ne peux pas faire 3-2, j'en ai une en plus. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en rajoute une j'en... Non, parce qu'après, après, vous avez les motifs, la quadrillage, c'est à la...
celle à maille près, donc eh ben, sous le bras, il y aura, voilà, il y aura 6 mailles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce ne sera pas non plus, c'est pas détonnant. C'est vraiment pas détonnant. Mais il a quand même fallu, malgré l'écriture hyper bien faite, hyper bien, c'est vraiment, c'est nickel. Bon, c'est moi que t'es pas attentif, hein, c'est pas, hein, voilà. On dit souvent que c'est pas la faute du designer, mais c'est vrai, c'est toujours nous qui faisons des bêtises, hein, clairement. Et puis là, récemment, j'ai vu son dernier gilet. Y a des trucs qui ressemblent. Hein. Ah, j'ai craqué. Hein. Ah, là, celui-là. Je vais me le faire. Maintenant, j'ai plus peur. Ça avait l'air compliqué, tout ça. J'ai plus peur. Je me dis que si je le fais, ça va être super bien écrit, super bien expliqué. Ça va être super plaisant. Donc, je vais foncer. Hein. Je vais le faire, hein, carrément. Alors, je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est fait. Je voulais vous montrer cette laine. Novita. C'est ma fille qui me l'a offert pour la fête des mères. C'est de la grosse laine. Elle est vraiment belle. Hein. On est vraiment dans les couleurs d'automne. Alors là, ils expliquent que c'est ça se fait en 3,5 pour des chaussettes. Et effectivement, je vais me les tricoter en 3,5 pour des chaussettes, mais vraiment des chaussettes doudou pour la maison pour passer l'hiver. Donc voilà, je vais me tricoter ça ou une autre paire de chaussettes. Je vous dis ça parce que je vais me rendre. Je suis vraiment très très contente. J'ai hésité très très longtemps. Je vais me rendre au Ch'ti Bazar samedi. Samedi 9 novembre, je suis vraiment très 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 contente d'y aller. J'espère que, je sais pas si l'une d'entre vous y va aussi et me voit, ben en profiter pour, ben, pour qu'on se rencontre pour de vrai. Je suis vraiment 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 ravie d'y aller, de poupouiller les laines, parce que je serai toute seule. Mon mari vient, mais en attendant, il ira ailleurs s'occuper. Et voilà, ça l'amuse pas. Et bon, voilà, donc je serai toute seule pendant, je sais pas, 2, 3 heures, le temps de faire le tour. Voilà, donc samedi, le Ch'ti Bazar. Je suis vraiment ravie d'y aller. Alors, justement, j'ai besoin de de vos conseils. Donc, du coup, je n'ai plus assez de laine pour faire un pull. C'est ça? Je vais faire un pull de Noël parce que avec justement Mélanie, Woolymélie, Irène, BDM, ma petite médiathèque et Marie-Astrid, les canettes Kétos, on se fait un petit câble entre nous pour pour pas tricoter, pour crocheter un pull de Noël, mais pas moche. Donc du coup, je vais partir en fait sur le corps en vert sapin. Donc là. J'espère trouver mon bonheur au Ch'ti Bazar, en vert sapin et ça en ben voilà des rayures. En fait, je pensais faire le corps en vert sapin, le petit col comme ça et que des manches en rayures. Est-ce que ça fera en rayures avec ça? Est-ce que ça fera assez Noël? Est-ce que je fais pas une petite bande de temps en temps en rouge carrément, hein, mais vraiment discret? Ou le petit liseré juste en rose, un petit col tout doucement en rouge. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, aidez-moi, je suis preneuse. Voilà, au départ, je voulais faire tout en vert, avec un vert sapin, ça, et puis derrière, broder haut, juste là derrière. Bon, je ne sais pas. Voilà, si vous avez des idées pour un pull de Noël, pas moche. Parce que tous les pulls de Noël que je vois, il y a quelque chose qui me plaît sur le modèle, mais pas tout. Donc voilà, en tout cas ça va être ma couleur contrastante. Est-ce que vous pensez que ce sera bien avec un vert sapin? Ou alors est-ce que ça avec une autre couleur? Donc en tout cas, je pense que j'ai besoin de 3 échoués de vert sapin. Et puis du coup, après, ces 2 échevaux-là pour faire les rayures. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, j'attends vos remarques, vos suggestions. Et puis une dernière chose un petit peu rigolote que je voulais vous montrer, c'est de la laine qui vient du Japon, que mon fils m'a envoyée, parce qu'il est au Japon en ce moment. Et laine finlandaise, pelote japonaise. Voilà. Alors elle a quand même réussi à me trouver de la pure laine. Elles font 30 grammes. Voilà, elles font 30 grammes.
Elle a réussi à me trouver de la pure laine. Alors, elle n'est pas fabriquée au Japon, celle-là. Elle est fabriquée en Chine, hein, elles sont voisins. Fabriquée en Chine, et elle est surtout destinée pour être importée au Brésil. Bon, c'est une bizarrerie. Voilà, donc je voulais vous montrer cette laine, 100% laine quand même, que j'aurais plaisir à tester. Alors, je trouverai un petit objet à faire avec ou un gnome qui fera quelque chose voilà, qui mette en valeur ce fil. Voilà, pas de. Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Pas de couture, pas de broderie, du filage, mais je vous montrerai ça une autre fois parce que là, je vois qu'on est déjà à 25 minutes plus la petite partie d'avant. C'est largement suffisant. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà pour mon pull de Noël, mais pas moche, et que je ferai, bah, que je ferai quand j'aurai fini la bête, hein, parce que ça demande quand même encore un peu de travail. Hein. Voilà, parce que je suis mono en cours, donc je ne peux pas, je peux pas. C'est pour moi, c'est inconcevable de faire deux ouvrages en même temps, à part une petite chaussette que je vais commencer et que je vais laisser. C'est ce que je vais faire là ce week-end dans la voiture. Je vais commencer une paire de chaussettes. Parce que je ne vais pas emmener mon gros ouvrage, mais je vais la laisser à paire chaussette. Après, je vais revenir au Ingrid Sweater. Écoutez, j'étais un petit peu sur les remontées sur pile. Hein. C'est normal, hein, quand on rentre du travail, on est un petit peu remonté sur pile. Je vais faire descendre la pression, je vais descendre, faire le montage. Ça va, descendre la pression. Et quant à moi, je vous dis. Bah, sûrement dans 2 3 semaines pour vous montrer la bête terminée et puis sûrement mes petits achats au Jeudi Bazar. Eh bien, reposez-vous bien, il y a le long week-end, hein. Moi il va être actif, mais plaisant. Et je vous dis à très 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 vite et prenez soin de vous. Très bientôt.